Alors, dans ce livre, c'est l'histoire d'un homme qui apprend le décès de sa femme dans un accident et qui se surprend à ne ressentir aucune tristesse. Et ça l'étonne. Et dans ce livre, en fait, c'est la recherche de cette tristesse perdue, cette peine perdue, en quelque sorte, qui va l'emmener vers une vérité qu'il ne soupçonnait pas. Alors, il s'appelle Vincent, c'est un musicien. C'est un musicien, pianiste, claviériste, qui a eu du talent, qui en a toujours, mais qui n'y croit plus. Et qui est devenu un musicien de studio, ce qu'on appelle un requin, enfin ce qu'on appelait un requin à une époque, qui est très désabusé sur la musique et aussi sur la vie aussi en général. C'est aussi un tombeur, ça c'est important, parce que il est aussi désabusé sur l'amour parce que ça lui paraît quelconque. Le livre se construit en fait sur un moment clé de la vie de Vincent. Bon. Le premier moment clé avant le décès de sa femme, c'est qu'il repart en tournée. C'est un musicien donc, mais qui a un certain âge. Il approche la cinquantaine et il n'a plus trop de travail. Et là, il vient de décrocher un job, quoi. Enfin un job, je veux dire. Il part en tournée avec un chanteur et il travaille à ça quand il apprend le décès de sa femme. Donc c'est deux choses en même temps qui arrivent dans sa vie et qui le relancent dans l'activité en quelque sorte. Et donc voilà, avec cet état dans lequel il est, de prendre la vie comme ça, quoi. J'ai pris un personnage assez, je dirais, cynique. Parce que c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps et qui m'emmerde énormément, le cynisme. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est une espèce de. C'est un peu, comment dire, le cancer de la lucidité, le cynisme. C'est bien d'être lucide, mais il faut aussi savoir maîtriser ses lucidités. Ça ne doit pas obligatoirement entraîner vers l'amertume et le cynisme et le désabus. L'histoire, elle m'est venue comme ça, en fait. Je me raconte des histoires, à dire vrai. Les histoires dans mes livres, voire dans mes chansons aussi, c'est quelque chose que je me raconte. Bon, dans un livre, c'est plus complexe parce que il faut que l'histoire dure. Je me balade et puis je sais pas, il y a quelque chose qui me vient en tête. J'essaie de prolonger cette chose qui me vient en tête. Et je me raconte un peu l'histoire comme ça, au fil des jours, des semaines, des mois. Et si elle s'enrichit de ce que je lui apporte chaque jour. Si ça devient un vrai conte, à la Scheherazade, je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'écrire. Mais il y a quand même un point de départ de cette histoire et qui est quelque chose de réel qui m'est arrivé. C'est justement, je me suis laissé surprendre une fois par le décès d'une amie proche. Il y a des années de ça, vraiment il y a très longtemps, c'est pas récent. Et j'étais justement avec d'autres amis qui nous la connaissions, on était là, tous ensemble et on passait un bon moment, et le téléphone sonne et là on apprend le décès de cette fille et tout le monde tombe comme ça, abasourdi, quoi, c'est pas possible. Et moi je fais quoi, c'est pas possible et je ressentais rien. Et c'était affreux. J'ai dit mais pourquoi je ressens rien? Voilà. Donc je suis parti de ce fait qui m'a tracassé toutes ces années pour en faire une histoire derrière. Dans mon cas, avec cet ami, la peine et la tristesse sont revenues très lentement. C'est pas du tout comme ça, c'est pas comme la même histoire que mon personnage. Il ne faut pas confondre. Alors, la couverture du livre représente une danse macabre, des squelettes plutôt drôles qui dansent. Et c'est une clé déjà dans l'histoire, en fait. C'est un indice de l'histoire, la couverture. Parce qu'à un moment donné, il est question d'un petit squelette en argent, perdu lui aussi, tout comme la peine du héros. Et ce petit squelette perdu va amener à un rebondissement. Donc voilà, je trouve ça bien, plutôt que la couverture rappelle cet objet qui pour moi est. En fait, il y a eu un premier titre. Il y a eu un premier titre du livre qui s'appelait Le petit squelette en argent. Et puis finalement, c'était peut-être trop téléphoné. Et donc j'aime bien cette idée de peine perdue avec des squelettes et le lecteur se demande mais qu'est-ce que c'est? Et il le sait à la fin. Pourquoi des squelettes?